Alors bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons partir voir mes photographies de 1972 à 1979. Alors déjà, départ pour Saigon, 1972, un ami à moi m'a fait une proposition absolument extraordinaire de partir avec lui, lui est journaliste, de partir avec lui faire des photos. Moi, je n'ai qu'un Canon 50 mm et je suis propulsé à Saigon. Mais retour en France, je vends quelques pellicules et je repars à Saigon. Car une agence de presse nommée France Match me dit, bah écoute, si tu veux y repartir, nous, on te distribuera les photos. Et je repars à mes frais à Saigon. Là, les choses sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dures. Toutes les agences de presse ont leurs représentants à Saigon, toutes les agences au monde. Et les photographes, ils grouillent, enfin ils grouillent. Il y a au moins une trentaine de photographes qui couvrent régulièrement tout ce qui se passe au Vietnam. En plus, ils ont tous des copains, etc., etc. Moi, je viens juste d'arriver. Essayer de se faire un nom. Et à ce moment-là, il y a une énorme bataille qui est en train de se préparer. C'est la bataille de Quang Tri. Quang Tri, c'est une petite ville sud-vietnamienne, tout près du 17e parallèle. Le 17e parallèle, c'est une ligne de démarcation. Vous avez le Vietnam communiste au nord et le Sud-Vietnam pro-occidental au sud. Alors j'arrive à Quang Tri, les combats sont féroces, les populations sont prises en otage par les communistes. C'est abominable, c'est absolument eh oui, c'est là où j'ai été blessé, 2 balles dans le ventre. Et donc retour en France en convalescence, mais ça ne m'a pas empêché de faire ces quelques photos du crash du Tupolev 144. Puis départ au Yémen, le sud et le nord Yémen se font la guerre, le sud est pro-soviétique, le nord, bon. Ils essayent de résister tout simplement aux Soviétiques qui essayent d'envahir le Nord-Yémen.
Et ensuite, on a l'autorisation d'aller à Aden. Aden, qui est à ce moment-là la capitale du Sud-Yémen. C'est un scoop. Fin 1973, début 1974, je fais une exposition de mes premières photos à Paris. Parcourir la visite de Richard Nixon au Moyen-Orient. Revenant de Syrie, je passe au Sud-Liban et là, effaré, j'assiste à un bombardement israélien au Sud-Liban. Ces photos feront le tour de la Terre. Bon, à partir de fin 1974, je fais le tour des grandes agences de presse françaises. Ce sont les agences photographiques françaises qui sont les meilleures au monde à ce moment-là. Il y a SIPA, Gamma et Sigma. Moi, je vais voir les trois. Hubert Henrotte de Sigma me dit que mon travail commence à l'intéresser. Les troupes communistes appuyées par les Chinois et les Soviétiques commencent à pénétrer au Sud-Vietnam. Je vais voir Henrotte et je lui demande s'il ne veut pas que je parte au Vietnam, à Saigon. Ok, vous pouvez y aller. À mes frais, toujours, je propose à un de mes amis de m'accompagner. On y va tous les deux. Et c'est ainsi que nous allons vivre la fin du Vietnam libre, du Sud-Vietnam libre.
Alors de retour après plusieurs mois de reportage en France, d'un seul coup, le Liban explose. Alors moi, je connaissais ce pays, je le connais, pour y avoir déjà été. J'ai des amis là-bas. Et donc, Orot m'y envoie régulièrement. Sigma m'y envoie régulièrement. S'est rappelé à moi. Au Cambodge, c'est l'horreur. Le massacre des Khmers rouges. De nombreux réfugiés cambodgiens essayent d'arriver en Thaïlande. Arrivés à la frontière cambodgienne, où quelques camps de réfugiés sont installés à la hâte par des sœurs. Partout dans cet immense camp de réfugiés, des visages complètement hagards. J'essaye de parler avec certains. En vain, il me regarde, les yeux complètement vides. Et là, je dois dire, j'ai été pris d'une angoisse terrible. Qu'avait-il vu? Qu'avait-il subi pour être dans cet état? Au centre du camp, des sœurs ont regroupé des enfants terrorisés et affamés. Et donc, moi, je fais pas mal d'allers-retours en Thaïlande pour aller les voir. Ensuite, j'essaierai de passer au Cambodge, dans des camps de résistance.
Enfin, Paris Match me demande de partir au Tchad. Des ressortissants français sont en danger à N'Djamena. Devant moi, un homme tombe. Je vois avec effroi quelque chose rouler à côté de lui. Une grenade. Une chance, la grenade n'était pas découpillée. Eh bien voilà, voilà en quelques mots, ma passion pour la photographie et ce que j'en ai fait. Ce que j'ai produit en 5-6 ans, ce que j'ai pu produire. Ou plutôt, ce que j'ai encore dans mes cartons. Car, malheureusement, beaucoup de photos ont disparu. Bon, eh bien écoutez, à bientôt sur ma chaîne. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, le pouce, abonnez-vous et partagez. Partagez, c'est important si ça vous plaît. Au revoir.